président du conseil régional de Sikako, monsieur le maire de la commune de Pendekso, monsieur le directeur régional de la culture, monsieur le directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie, monsieur le directeur de l'artisanat, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services régionaux, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, monsieur le président de la commission d'organisation du festival interculturel de Kéliko, mesdames et messieurs les festivaliers et singulièrement ceux venus de mes amis et voisins, ces invités en courant grade et qualité tout protocole observé. La région de Sikasso et à travers la cité verte de Kéliko, par ma voix, un insigne honneur d'habiter la présente cérémonie d'ouverture solennelle de la 6e édition du Festival interculturel de Kéliko Festip. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes venus pour la circonstance sur ces sites historiques et emblématiques de la cité verte de Kéliko, la colline du Mamelo. Mesdames et messieurs, chers participants, l'organisation du Festival interculturel de Kéliko, Festip à Sikasso, berceau grand royaume de Kéliko, est un signal fort qui marque l'attachement des organisateurs à leur gisement artistique et culturel, gage de la réaffirmation de l'identité et de la personnalité du peuple de Kéliko et du développement durable de cette région. À ce destin solennel, vous dire que Sikasso symbolise la résistance et un des verrous les plus importants au niveau des hommes après le déclin des grands empires, réussissant sous la même autorité étatique une grande partie de notre Mali actuel. Nul besoin de vous rappeler le nom des héros, des figures emblématiques qui ont marqué d'un saut indélébé le destin singulier du royaume de Kéliko. Mesdames et messieurs, chers participants, ce grand rendez-vous de donner et de recevoir la plus belle de cette année, la culture, vecteur de paix, de cohésion sociale et d'intégration des communautés. Ce choix n'est point fortuit, car il s'inscrit dans un souci de préservation, de consolidation de la paix et de l'intégration. Tout comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Mali est une mosaïque de culture. Pluralité ethnique et le passage multiséculaire qui nous a même temps permis de vivre ensemble dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel en évitant les écueils des politiques identitaires, des clivages ethniques, religieux et linguistiques. Comme le souligne Jacques Delors, le monde est notre village, souligne des maisons en feu. Les toits au-dessus de nos têtes, tous sont aussitôt menacés. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, malgré l'imposition des frontières héritées de la période coloniale, les différents groupes qui occupent l'espace communautaire escabeau n'ont jamais cessé de maintenir les liens de parenté et d'identité culturelle assez marqués. Ces relations complexes tissées entre eux et ces différentes régions ont laissé des traces importantes à travers le développement des foyers culturels assez homogènes. L'intégration culturelle passe par la mise en œuvre du programme audacieux transcendant les frontières maintenues depuis la colonisation, toute chose qui atténue et prévient les conflits interethniques, voire interétatiques. La culture est le ciment de la cohésion sociale, car elle est un moyen de recouvrir, de communication et d'interaction. Et le Kéliko reste encore et toujours le lieu de grandes rencontres culturelles à travers les rites, les funérailles, les festivals, etc. C'est par le biais de ces rencontres que se transmettent les valeurs fondamentales entre jeunes et personnes âgées et entre membres de France. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme le dit Koichiro Matsura, ancien directeur de l'UNESCO, la culture ne peut attendre, car elle est centrale au processus de progrès au service de l'humanité. Donc il est de notre devoir de promouvoir et de valoriser les patrimoines matériels et immatériels de l'espace qui s'appelle. À ce titre, j'invite l'ensemble des acteurs de cette initiative à œuvrer davantage à
à plus de promotion de l'héritage culturel matériel et immatériel de la région des Sikassou. Et on serait terminé sans adresser nos invitations et les doux remerciements pour quelques administratifs politiques, légitimité traditionnelle du coutumier. Les remerciements vont également à nos noirs organisateurs, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour la qualité de l'organisation et la réussite de cette sixième édition. Tout en souhaitant un succès aux travaux, je déclare ouverte la festivité de la sixième édition du Festival interculturel de Télévision. Que Dieu bénisse le voyage. Je vous remercie.